exercice que j'ai fait depuis tout à l'heure. Alors j'ai fait la méthode Active Recall. En gros, c'est une méthode où tu prends pas ton cours et tu remarques tout ce que tu as retenu de ton cours. Comme ça, ça fait travailler ta mémoire et après tu compares avec ton cours et tu remarques en rouge à côté les éléments, les points du cours que tu n'as pas retenu. Et donc de base on le fait version réelle sur une feuille avec du papier, sauf que vu que je dois le faire avec 4 chapitres, je me suis dit que c'était plus rapide de le faire sur Google Docs. Et pour me motiver à travailler, j'utilise deux méthodes. Donc la première, c'est cette application, je sais plus c'est laquelle, entre Planty ou Florest, mais c'est le même principe. En gros, c'est pour te maintenir concentré, c'est une espèce de mini-jeu où plus tu restes concentré, plus tu obtiens des gouttes d'eau pour pouvoir faire pousser des arbres et avoir plusieurs paysages. Et comme ça, les paysages, ils sont constitués du nombre d'heures ou de minutes que tu as passé à travailler. Je ne sais pas si vous avez compris. Et aussi, deuxième méthode que j'utilise, c'est Discord. Alors en fait, c'est une youtubeuse qui s'appelle Aurélie, je crois. Et sa chaîne, c'est Saturne. Et en gros, elle a un serveur Discord où on se motive à travailler. Donc par exemple, ici, c'est la page où on prévoit nos horaires de travail. Donc ensuite, ici, on a plusieurs trucs. Donc pour parler lecture, langue, etc., plein de choses. Et ici, on a les visios. Donc c'est là où on peut travailler avec des personnes. Donc tout à l'heure, on était 4. Sauf que là je suis partie en pause et je pense que les autres aussi parce que ça fait un moment qu'on travaille. Et après vous avez tous les niveaux, donc vous avez le collège, vous avez le lycée, que ce soit général, technologique, vous avez toutes les spécialités. Et vous avez des catégories d'études supérieures. Et d'ailleurs ici on peut suggérer aux créateurs du serveur de rajouter des onglets. Donc par exemple, si vous voulez un onglet, je sais pas, pour parler sport, vous avez juste à le suggérer et ensuite les personnes qui gèrent le truc vont vous rajouter. Et ensuite j'ai ma petite playlist Spotify que vous avez pu voir tout à l'heure normalement. Donc j'en ai plusieurs, parfois j'écoute juste mes titres likés, après j'écoute du lofi, des study playlists faites par d'autres créateurs, des fois je peux écouter des podcasts, ça dépend. Donc là je vais faire ma petite pause et après je vais reprendre le travail parce que là j'ai plus de batterie en plus. Du coup, c'est la première fois qu'on se parle en face cam depuis le début du vlog, à part pour l'intro, je pense. Pourquoi je me suis pas filmée? C'est tout simplement parce que j'étais très fatiguée. On le voit encore, j'ai des grosses cernes. Entre temps, je suis partie me lisser les cheveux pour ressembler à quelque chose pour cette vidéo et pour que vous puissiez me voir au cours du vlog parce que ça allait pas être possible. Alors aujourd'hui j'ai pas été très productive, je suis un peu déçue, bon je vais pas me plaindre, en vrai j'ai été assez productive mais pas comme je l'aurais voulu, simplement parce que j'avais très mal au ventre, problème de fille vous connaissez. Du coup bah là ça fait que actuellement je connais 4 chapitres sur 7 de SES, mais ça va parce que du coup là il me reste la croissance économique, le commerce international et l'environnement. Et du coup je connais le chômage, engagement politique et les deux chapitres de sociaux, donc mobilité sociale et la société actuelle structurée et hiérarchisée, je crois que c'est ça les noms. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à réviser ces chapitres, donc je vais vraiment les apprendre les définitions, comme ça c'est bouclé
Et comme ça, demain, je m'occupe uniquement des trois derniers chapitres. Et demain, je vous promets que ce sera une journée beaucoup plus productive où je vais beaucoup plus filmer, sachant qu'il n'y aura personne à la maison parce qu'aujourd'hui, on était mercredi. Du coup, il y avait pas mal de monde à la maison. Mais demain, plus qu'on est jeudi, bah, il y aura beaucoup moins de monde. Je serai la part du temps toute seule. Donc, j'espère que demain sera une journée plus productive et que je serai beaucoup moins fatiguée. Donc, je vous emmène avec moi pour le reste du vlog. Bisous! J'ai fini d'apprendre le chapitre sur la croissance économique. Je sais pas pourquoi, mais c'est celui que je redoutais le plus. Je pense que c'est parce que la part des gens de ma classe trouvaient que c'était le plus compliqué. Du coup, bah, psychologiquement, je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de l'apprendre, mais moi, je l'ai trouvé super simple. Bah, j'ai pas eu à apprendre grand chose parce que je me souvenais de pas mal de trucs. Donc moi, comment j'ai fait pour le revoir? Donc déjà, je vais sur le site de l'assistance scolaire. Il y a plusieurs matières, donc j'ai pris, je sais pas s'il y a toutes les SP, mais en tout cas il y avait AGGSP et SES, donc je l'ai pris pour la SES. Ensuite j'ai appris, enfin j'ai relu le cours, j'ai regardé les vidéos qu'il proposait. Donc il y avait une vidéo de Dessine-moi l'éco et une vidéo de je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai le nom juste là. Du coup après ça j'ai appris le plan. Donc moi j'apprends le plan, je pense que je vais réécrire d'ailleurs tous les plans sur une feuille et l'afficher sur mon bureau, comme ça j'ai tous les plans tout le temps en permanence. Et après je fais un Quizlet des définitions, donc c'est un système de flashcards. Mais pour mes méthodes de révision, j'ai fait une vidéo sur comment, avoir des bonnes notes sans travailler. Donc en gros c'est comment être productif sans passer des heures à son bureau, je vous invite à la regarder. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais travailler le chapitre sur l'environnement et on se retrouve juste après. Accroché à mes murs mes plans, donc en gros c'est tous mes plans de mes chapitres d'SES, et comme ça bah, à chaque fois je serai à mon bureau dans tout le week-end, je vais pouvoir les apprendre, ils seront avec moi tout le long de week-end. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais relire toutes mes fiches avant d'aller dormir. Je vais aussi commencer le montage du vlog parce que sinon il sera jamais posté pour dimanche. Et je vais lire aussi Legostone. En fait j'en ai marre parce que c'est un très bon roman, mais le problème c'est que je préfère largement lire Legostone, n'importe quoi. Je préfère largement lire en version papier parce que ça m'évite d'être sur les écrans. Mais bon, faut absolument que je termine Legostone. Enfin j'ai pas du tout terminé, mais en tout cas je suis pressée de le finir pour me remettre à la lecture en papier parce que j'en ai marre de rester sur mon téléphone trop longtemps. Donc voilà, et aussi tout ça pour vous dire que le vlog il termine demain, donc je vous filme encore la journée de demain et je vous filme pas le week-end parce que bah, le samedi du coup ce sera des révisions assez légères vu que bah, là déjà je connais presque tout mon cours, enfin je connais tout, et c'est juste demain ce sera un peu intense dans le sens où il faut que je connaisse vraiment à 100% par cœur parce que là on va dire que je connais 80% de mes cours. Et samedi ce sera de la révision sur de la méthodologie, donc tout ce qui est lecture de doc, méthode de dissertation, méthode EC1, EC2, EC3, même si mon rêve ce serait d'avoir une disserte qui me convienne vu que c'est la chose que je maîtrise le mieux.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on est la dernière journée du vlog, on est le vendredi. Je crois qu'on est le 17, ça doit être ça. Oui, on est le 17 mars. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé avec des amis en visio sur le serveur de Jenna dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Du coup on a révisé ensemble quelques chapitres d'SES, donc on a révisé la croissance économique, on a révisé aussi le chômage et le commerce international. En gros on a révisé toute l'économie, on a un peu discuté des épreuves, un peu de nos a priori etc, de nos méthodes de révision, et ça m'a beaucoup motivée à travailler. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit goûter je pense, et ensuite je vais continuer à réviser l'ASES. En gros je veux que ce soit bouclé pour aujourd'hui, donc en gros je vais juste apprendre tous mes plans par cœur, sachant que je connais déjà pas mal de plans. Et je vais relire, faire la relecture et m'assurer que je maîtrise tous les sujets. Parce qu'en gros, le secret en SES, c'est que ça sert à rien d'apprendre tout mot pour mot. Bien sûr, il y a des notions à apprendre, mais ce qu'il faut connaître, c'est surtout les définitions et le plan. Le plan pour la structure, pour éviter leur sujet, et les définitions pour s'assurer qu'on connaisse le cours. Donc, faut pas forcément les connaître mot pour mot, mais faut être capable de les expliquer avec nos mots. Voilà, donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bisous!